peux utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Reine de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Soit loué. Nous allons parler ce matin sur l'espérance en Christ. L'espérance en Christ. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Corinthiens chapitre 15, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Encore. Oui. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, kama ni paka mui maisha hii, joto kuna mutumainia Yesu. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tuko benye hole kupita bantu bote. Amen. Amen. Quand la Bible dit « si c'est dans cette vie seulement », cela veut dire « il n'y a pas seulement que cette vie, il y a aussi une autre. » Right. Que Dieu soit loué. Si la parole de Dieu nous parle de cette vie seulement. Cela veut dire cette vie que nous avons actuellement sur la terre n'est pas la seule vie. Il y a aussi une autre vie quelque part ailleurs. Et la parole de Dieu dit, si notre espérance en Jésus-Christ, si notre foi en Jésus, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, si notre foi en Jésus-Christ, autrement dit, si nous suivons Jésus et nous nous attendons de la part de Jésus seulement pour des choses de cette vie ici, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Gloire au Seigneur. Cela veut dire, n'espère pas en Jésus seulement pour les choses de cette vie. Tu dois espérer en Jésus et pour cette vie et pour l'autre vie à venir. Parce que laisse-moi te dire, quand on parle de la mort, c'est le physique, c'est le corps, cette couverture qui arrête de fonctionner, cette poussière qui retourne où? À la poussière. Mais toi, en réalité dans l'homme, toi-même, tu vas continuer à vivre. C'est ce corps qui va s'arrêter de vivre. Alléluia. Mais ton esprit à toi ne va pas s'arrêter, continuera à vivre. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alors, si c'est dans cette vie seulement que tu es en train d'espérer en Jésus, ta prière, tout ce que tu fais, tout, ni maïshaya passasa. La Bible dit, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que cette vie ici est pour un petit temps. Si c'est beaucoup, par la grâce de Dieu, 120 ans. Alléluia. Mais après ça, l'autre vie n'a plus de temps. Sommes-nous ensemble? Cette vie que nous avons sur cette terre, c'est pour un peu de temps. Tout au plus, si Dieu fait grâce, 120. Mais l'autre vie n'a pas de fin, n'a pas de temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si ton espoir en Jésus, tu n'espères en Christ, tu suis Jésus seulement pour les choses de cette vie seulement, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que quand cette vie ici prendra fin, qu'est-ce qui va advenir dans l'autre vie? Qu'est-ce qui va t'arriver dans l'autre vie? Cela veut dire aussi, la vie que nous avons actuellement et l'espérance que nous pouvons avoir en Jésus ne nous garantit pas seulement la vie présente, mais aussi la vie après la mort. On va lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Beaucoup de gens sont focalisés. Tout ce qu'ils ont, prière, tout ce qu'ils font, tout ça, leur mawaso ya buyote, ni pas maisha yangu. Comment ça, maisha yangu? Ni, ya, pardonnez. Hafu pale
utavula mwiri. Afu pale kile ki mwiri, parce que le corps que nous avons ici, itanguka shiku moya, utakufwa. Me weye, utendelea, ni mwiri njyo itakufwa. Afu we apre, utakuwa nani? Utaenda wapi? Utakuwa na nini? Oui. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Exerce-toi à la piété. Ujitowe kabisa kumatendo mazuri. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Kwani ile exercice ya mwili iko na saidia lakini kidogo. Tandis que la piété est utile à tout. Lakini matendo mazuri usawa iko na saidia biote. Ayant la promesse de la vie présente. Iko na malako ya maisha ya hapa sasa. Et de celle qui est à venir. Na maisha ijayo. Amen. Ile maisha itakuwa. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Il y a trois choses que nous devons considérer. La première chose, c'est que, un, j'ai la vie. Je suis sur la terre, j'ai la vie. Mais je dois me poser la question, après ma vie sur la terre, où irai-je? N'est-ce pas? Kisha maisha yangu ya padunia, ntaenda wapi? C'est là que nous donnons notre vie à Christ. Nous croyons en Jésus pour avoir la vie éternelle, vivre avec Dieu. N'est-ce pas? Ok. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il continuera à vivre après sa mort, mais dans la condamnation éternelle, en enfer, dans le feu, dans les tourments éternels, des tourments sans fin. Oui. Mais ceux qui croient en Jésus, ils auront la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, ils vont vivre dans la présence de Dieu. Oui, mais la question c'est comment? Quelle vie tu auras? Après ta mort, dans la présence de Dieu, dans le ciel, si tu veux, dans les paradis ou partout où Dieu pourra te mettre. Mais quelle est cette vie tu auras? Regarde celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Est-ce que tu penses à la vie que tu auras après ta mort? Je suis venu te dire ce matin que tout Dieu a fait dépendre tout de toi. La vie présente et la vie à venir. Dieu a fait dépendre tout de toi. Dans la vie présente, nous avons toutes choses de la part de Dieu. Par la grâce. Vous comprenez? Par là, au moyen de la grâce. Right. Et ça, les principes de la vie présente, la bénédiction, les succès, la victoire, tout ce que nous cherchons, nous l'obtenons de la part de Dieu par la grâce, au moyen de la foi que nous avons. C'est pourquoi quelqu'un est malade,
Il vient à Jésus. Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. La personne reçoit la guérison. Tout ce que Dieu peut te donner ou me donner dans cette vie ici, c'est par la grâce. Cela veut dire, c'est lui qui a décidé de le faire, mais ta part à toi, c'est de lui manifester quoi? La foi. Et tu peux recevoir. Même ce matin, même aujourd'hui, tu peux recevoir. Alléluia. C'est ça la condition de la vie terrestre que nous avons en tant que chrétiens. Tu veux la bénédiction? Tu veux le succès? Tu veux la réussite? Tu veux. La condition, c'est la foi. Mon juste vivra par ça. Acclamons le Seigneur. C'est ça la condition de cette vie présente. Si tu crois, tu verras. Right. C'est ça la condition de la vie présente. C'est ça la condition de la vie présente. Nous recevons toutes choses de la part de Dieu par grâce, faveur imméritée. Mais la condition immane. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Right. Je crois. Voilà. Je reçois. Et je vois la chose se manifester dans ma vie. Mais ce n'est pas la condition de la vie future. Gloire au Seigneur. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que, ayant traversé de l'autre côté, où la vie, la deuxième phase de vie n'a pas de fin. Vous comprenez? La deuxième phase n'a pas? Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, qui vivent dans les péchés, ils iront dans le feu. Pour ceux qui croient en Jésus, waouh, ils iront dans la présence de Dieu, dans le paradis, dans le ciel, ou dans la nouvelle terre, là où Dieu va te placer. Mais avec quelle vie? Na maisha kani. Na nini ilo takuwa nayo. Que Dieu soit loué. J'aimerais te dire ce matin que la deuxième phase de vie ne dépend pas de la foi. La foi t'introduit seulement dans la deuxième phase, mais la manière que tu vas mener cette vie éternellement ne dépend pas de la foi. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Avant que je puisse continuer, je recule encore en arrière pour te dire et t'exhorter. Désormais, n'espère pas en Jésus seulement pour cette vie. Mama, ombi yote kuna omba, kuna monesha mungu yote, tout tourne autour de cette vie. Mungu ni saidie, mungu ni pate, kaji, nipate makuta, niishe masomo,
ni voyager, tout tourne autour de quelle vie? Celle-ci. Et l'autre? Regarde celui qui est à côté de toi. Demande-lui. Et pour l'autre vie, qu'est-ce que tu as déjà demandé à Dieu? Gloire au Seigneur. En parlant avec vous, je ne sais pas, peut-être certains d'entre nous ici, je ne sais pas, je ne prophétise pas, je dis je ne sais pas. Peut-être, quand nous serons le 1er janvier 2019 et que nous dirons « Bonne année !» Toi, tu ne seras pas là. Peut-être. Tu auras déjà franchi le rideau. Tu seras déjà de l'autre côté, dans l'autre vie. Et tu auras laissé ça, ce corps, rentrer à la poussière. Et tu auras déjà été de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, même étant en Jésus-Christ, la vie de l'autre côté dépend de celle-ci. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte que lorsque nous vivons, nous devons vivre en conséquence de ces deux vies. Et celle-ci et l'autre. Ushiwazi asema, Juba nasema, kama mtu anamwamini Yesu, atapata uzima wa milele. Oui. C'est vrai, mais pour quelle vie? Ou t'as quoi, Nani? Tu seras qui? Tu auras quoi? Et sans fin. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Jésus, tu es malheureux de tous les hommes. Alléluia. Les choses célestes, les choses de l'autre vie dépendent pas de la foi. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 et puis Apocalypse 22 verset 12 à 13 et puis je vais expliquer. Les choses de l'autre côté, la vie de l'autre côté, la foi n'est que la clé. J'ai cru en Jésus. Ça me donne l'accès à deux vies. La foi me permet d'avoir les choses présentes. Mais la foi ne me permet pas d'avoir les choses à venir. Juste d'entrer dans la vie à venir, c'est tout. Mais avoir et être, ce n'est pas la foi. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car, quoi ni, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pote tunafai kwenda kusamba mbele ya baraza ya Kristo. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Kila mtu apate kufuatana na bizuri au bibaya bile alifanya. Étant dans son corps. Il est sain comme Mouiriak. Où es-tu maintenant? Où es-tu? Maintenant, dis-moi ça dans son corps. Dans quel corps? Dans mon corps. Où es-tu? Dans mon corps. Où es-tu? Dans son corps.
unakuwa mpepo. Acclamons le Seigneur. La Bible dit, chacun de nous, c'est sans exception, qui que tu sois, pasteur, prophète, apôtre, pape, qui que tu sois, chacun de nous, nous devons passer devant le tribunal de Christ pour rendre compte. Alléluia. Et au tribunal de Christ, on va donner à chacun selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans son corps. Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je viens bientôt. Tazama, niko nakuya baadaye. Et ma rétribution est avec moi. Na maripo yangu niko nayo. Le Seigneur vient avec une rétribution. Mina kwa kuripa. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Juu ya kuripa kila mtu kufuatana na bitendo byake. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y aura des gens qui entreront, comme la Bible dit, dans le ciel comme passant par le feu, avec absolument rien. Et il n'aura que la vie. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle dans la présence de Dieu, mais avec rien. Jésus dit, je vais rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chaque homme, chaque chrétien, parce que je parle aux chrétiens, j'espère que tous le sont, nous produisons les œuvres dans trois dimensions. Et c'est dans ces trois dimensions, alléluia, qui constituent dans le ciel la richesse que nous pouvons avoir et la position que nous pouvons occuper. Marie, ile utakuwa nayo kisha hii maisha ni wewe ndio kuna idecide aina Mungu kufuatana na bitendo yako. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, dans cette vie, je marche par la foi pour obtenir tout ce que Dieu a préparé pour moi par la grâce. Mais pour la vie à venir, je dois produire de bonnes œuvres pour être récompensé quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25, en résumé qu'on a sémé. Il dit, quand je viendrai, je dirai, j'étais nu, tu m'as habillé. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. J'étais malade, tu es venu me visiter. Il a expliqué en disant,
Il dira ça, entrez, prenez la possession du royaume. Ne pensez pas, peuple de Dieu, qu'après la mort, dans le ciel, nous serons tous la même chose. Bongo. Chacun recevra de la part de Dieu selon les biens ou le mal que Dieu a fait. C'est comme ça on dit, on ne se moque pas. Ce qu'un homme aura semé. Right. Qu'est-ce que Dieu appelle le bien? Ce que Dieu appelle le bien est résumé par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche qui se présente devant Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Prends tout ce que tu as, va, donne-le au. Et tu auras quoi? Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Il ne lui a pas dit, tu auras le trésor par la grâce. Reçois le trésor. Bongo. Ta vie terrestre. Alléluia. Alléluia. L'espérance que tu dois avoir en Jésus doit être pour cette vie et pour l'autre vie. Comment? En ayant la foi, ça c'est pour cette vie. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais pour la vie à venir, nous devons produire des bonnes œuvres. Et chacun de nous fait des œuvres dans trois dimensions. La première dimension des œuvres, c'est dans les pensées. Dieu jugera nos pensées. Qu'est-ce que tu as pensé par rapport à toi-même, par rapport à ton prochain, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça? Tout ce qui a constitué les fruits de tes pensées. Tout ce que tu penses, le ciel compte. Et ça te produit dans la vie à venir. Soit une récompense, soit une damnation. Que Dieu soit loué. Deux, les paroles. Quoi? Jésus dit, à la fin de temps, les hommes rendront compte à Dieu pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Pourquoi? Mais ces mots, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, tout ce que tu dis, le jour où tu seras devant le tribunal, écoutez, le tribunal de Christ, tout le monde va passer. Alléluia. Il est Dieu capable de vous embêcher en une seule fois. Mais qu'il a monté en particulier dans un bureau. Right. Troisièmement, les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce plutôt au moyen de la foi en Jésus. Mais nous serons récompensés par les œuvres. Jésus dit, je reviens pour rendre à chacun.
selon ce que son œuvre. Ta vie future, après cette vie, dépend de tout ce que tu fais maintenant. Si tu es égoïste, tu le fais pour toi-même. Alléluia. Ton œuvre n'est que de la paille. Ça ne pourra pas traverser le mur de feu. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu fais ta prière, n'est-ce pas? Quand tu jeûnes, fais-le en secret. Ne fais pas pour que les gens te voient, n'est-ce pas? Fais-le en secret pour que ton Père, quoi? Te voie. Et tu auras ta... C'est la récompense de l'autre vie. Quand tu donnes à quelqu'un, ne donne pas pour que les gens sachent que tu as donné. Tu auras déjà ta récompense sur la terre. Fais-le en secret. Que ce que ta main droite donne, que ta gauche ne le sache pas, tu auras... Lis le verset 13. Qui dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. All right. Amen. Amen. Jésus vient rendre à chacun de nous selon ce qu'il fait. La récompense de l'autre vie dépend de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu fais. C'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté à Timothée en lui disant, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la vie qui produit des bonnes œuvres. En lui disant, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais pour la piété, on a la promesse des choses présentes et des choses de la vie à venir. Alors ne limite pas ton espérance en Jésus seulement sur cette vie. Si tu la limites, tu es malheureux. Parce que Shiku Takufwa, nous allons dire, il est mort dans le Seigneur. Peut-être oui. Mais pour être qui? Hein? Pour avoir quoi? Alléluia. Chacun de nous passera devant le tribunal de Christ pour recevoir ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Tout est enregistré dans le ciel. À toi de décider. Que Dieu bénisse sa parole.